Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va analyser le nouveau kit de conversion et c'est celui de la CAT AMR. Juste avant, un grand merci pour tous ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir pour le soutien. Le CAT AMR, c'est un sniper qui est ultra lent, que ce soit au niveau de sa cadence de tir ou pour sa mobilité, mais en compensation, on va quasiment tout le temps one-shot. On est donc sur un sniper qui est efficace mais qui est très difficile d'utilisation et la moindre erreur est directement pénalisée. Ça fait que limite avec cette arme on est obligé de camper. Avec son kit, le CAT AMR devient un lanceur puisque maintenant à la place de tirer des balles on va tirer des explosifs. Et là ça pose un énorme problème puisque les systèmes trophy vont complètement contrer les CAT AMR kit de conversion. Ça fait que si l'adversaire y joue le système trophy, ça va être très compliqué de le tuer. Avec le kit, on va avoir des changements au niveau des statistiques. Déjà, on aura un boost par rapport au temps de visée, mais aussi par rapport à la vitesse de déplacement en visant. Et ça, c'est à la fois parce que le kit permet de viser un peu plus vite, mais aussi parce qu'on va équiper une petite lunette. Conserver la grosse lunette de base n'est pas du tout intéressant, étant donné qu'avec cette arme et son kit, on va essayer de viser au maximum les jambes, donc il n'y a pas besoin d'être précis. Là où ça va poser problème, c'est au niveau de la vitesse des balles, ou plus précisément de la vitesse du projectile. On passe de 660 mètres par seconde à 200 mètres par seconde, ce qui fait que le projectile part 3 fois plus lentement. Après c'est plutôt logique vu que c'est un lanceur, mais ça veut aussi dire qu'il y a pas mal de situations dans lesquelles on va pouvoir tuer son adversaire, mais l'adversaire va également pouvoir nous tuer en même temps. Ça fait que c'est très chiant et plutôt frustrant. Et il y a aussi une autre statistique qui est impactée, c'est la capacité chargeur, puisqu'on est limité à 3 munitions et qu'il n'y a pas de moyen de l'améliorer. Là aussi c'est plutôt logique parce que vu que c'est un lanceur, il faut la limiter au niveau de cette statistique. Par conséquent, je conseille de mettre l'atout pour recharger rapidement, vu qu'on va recharger régulièrement. Étant donné que la cadence de tir reste identique, il ne nous reste plus que les dégâts à analyser. Avec le kit, on va tout le temps one-shot si on touche sa cible en impact direct. Donc ça, c'est un petit peu comme si on la jouait en tant que sniper classique. Mais je déconseille de la jouer comme ça, puisque en fait, si on vise son adversaire, entre le moment où on tire et le moment où il va y avoir un impact, il va y avoir un certain délai vu que la vitesse de projectile est très lente. Ça fait que si l'adversaire se déplace un minimum, il risque d'esquiver et sans forcément s'en rendre compte. Du coup, ce que je conseille, c'est de viser les jambes. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des dégâts? En fait, c'est complètement aléatoire. J'ai eu des situations où je tirais dans les jambes et je pouvais one-shot instantanément. J'ai eu d'autres situations où je tirais dans les jambes et je faisais des hitmarkers. Et j'ai eu des situations où je visais complètement rien à voir et j'arrivais quand même à one-shot mon adversaire. En conclusion, qu'est-ce que je pense du CAT AMR kit de conversion? Pour moi, c'est tout simplement le pire kit parmi tous ceux qui sont disponibles. Après, les lanceurs, c'est pas du tout mon délire, franchement, je déteste ça et je ne peux que vous la conseiller de la jouer sans son kit. Si vous voulez absolument la jouer avec son kit, déjà je vous dis bon courage. Et aussi je vais vous recommander la classe que j'ai utilisée. Donc là je vous l'affiche à l'écran, je vous affiche également la classe sans le kit. Et dans ce cas là je vous conseillerais surtout de la jouer sur des petites cartes telles que Shipment. Puisqu'il y aura beaucoup plus d'action, il y a moyen de faire des petites doubles sans forcément chercher à en faire. Mais faut pas espérer faire du score ou du ratio. En tout cas avec cette classe je me suis juste fait poutrer toute la partie. Et le mieux que j'ai réussi à faire c'est 3 kills sans mourir. Donc franchement si vous arrivez à faire mieux je vous dis un énorme GG. Et concernant le choix des différents accessoires, je ne vais pas rentrer dans les détails très précisément. Si on veut la jouer avec le kit, je recommande de la jouer avec une petite lunette, vu qu'on va être en visée très régulièrement, autant que ça ne prenne pas trop de place sur l'écran, et ça permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité sur ses adversaires. Et le reste des accessoires, ça va optimiser la cadence de tir ainsi que la mobilité. Et sans le kit de conversion, on va surtout optimiser le temps de visée ainsi que la cadence de tir. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis
Bisous bisous.